Dans la programmation de la 20e édition du Festimé, Yvan Le Bolloc, parrain du festival, a présenté son dernier spectacle, Faut pas rester là. Faut pas rester là, c'est quelqu'un qui toque à la porte de la caravane le matin, hein, deux uniformes, faut pas rester là. C'est ce que peuvent entendre les migrants quand ils arrivent, c'est toi qui veux aller te garer devant la boulangerie, t'as pas envie de te faire chier aller prendre un parking, faut pas rester là. Et puis c'est aussi un phénomène politique, faut pas rester là. Accompagné par ses acolytes musiciens, l'artiste nous dévoile alors un spectacle à la fois humoristique et musical. C'est un show quoi, c'est un show, voilà, ça doit se passer... sur une heure et demie, à fond les ballons, avec de la musique, de la bonne connerie, un petit peu de nostalgie pour les vieux. Et puis surtout la rumba flamenca, enfin cette musique tellement ensoleillée qui ferait danser un vaisselier breton, c'est la rumba flamenca. C'est une musique de voyageurs, donc ils posent leurs baluchons à droite, à gauche, et puis ils prennent des influences du pays. Et puis 30 ou 50 ans après, ils bougent, ils migrent, et puis ils vont vers le soleil. C'est l'histoire aussi de ce peuple et de cette musique. Les voyageurs, les tziganes, les manouches, les sinti, les gitans, les bohémiens. Et c'est formidable de pouvoir faire rire les gens et en même temps de les amener par la musique à une émotion aussi enthousiasmante. Enfin, je le souhaite. Un show qui s'est terminé avec la prestation d'un jeune André venu exprimer son talent de danseur. À Hondres ce soir, pour les 20 ans de Festimé, on a voulu mettre les petits plats dans les grands et on a fait venir la famille du chanteur, c'est un Garcia. Il a fait venir un gamin qui est un prodige, il s'appelle Caramelo et il va tout déchirer.